Je vais faire. Je vais le mettre dans le chat en attendant de réussir à le partager. Donc ça, tout le monde peut l'ouvrir. Bonjour madame, monsieur. Vous avez le micro de protection. Ça recommence. Non. Voilà. Enfin, je vous parlais sans micro, effectivement. Bonjour monsieur Delgado, bonjour monsieur le rapporteur. Bonjour. J'ai partagé sur le chat de la part de monsieur le rapporteur deux tableaux parce que j'arrive pas à les attendre tout le monde, donc vous pouvez les récupérer sur le chat là de... du Teams et je continue à essayer de vous les partager. Je suis capable de faire ça. Je les envoie par mail, madame, messieurs également. Très gentil, vous commencez à me connaître. Merci. Désolée de ne pas pouvoir être avec vous encore parce que j'ai un gros soupçon de Covid. Décidément. La mission est ravagée par le Covid et par les embouteillages. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Pardon, excusez mon retard. Monsieur le Président. On entend encore. On a... Alors, on a Madame Messier, Madame Ménère, Monsieur Durand, Madame Chaillet. Voilà, on délit. Après, les collaborateurs. Bonjour à tous, merci de votre présence. Bonjour Marion. Merci. Donc, juste quelques mots en fait en préambule de cette séance qui est un peu le bilan de notre mission d'information et d'évaluation. Je souhaiterais juste rappeler brièvement le contexte qui a présidé à sa création, c'est-à-dire à savoir le dérapage financier et calendaire du projet. Ouais. Un projet majeur pour notre région, fondamental pour le dynamisme de nos territoires et singulièrement sur les Yvelines. Ce projet, c'est renforcer la desserte du Nord Yvelines, notamment son raccordement au site de la Défense, décharger l'ORR A, la ligne la plus chargée d'Europe avec plus d'un million de voyageurs par jour, décharger la gare Saint-Lazare, la seconde gare la plus chargée d'Europe. Je voulais juste rappeler aussi que la région s'était pleinement investie pour la réussite de ce projet. Dès 2016, nous avons mis 1 milliard d'euros sur la table pour boucler le compte d'État financier, alors que le projet était à l'arrêt à cette époque-là. Nous avons accepté de prendre en charge plusieurs parties des premiers surcoûts, notamment au travers du protocole relais, voté en commission permanente en janvier 2021, et que nous avons tout récemment approuvé un nouveau protocole relais lors d'une récente commission permanente. Cette mission d'information avait pour objectif de faire la lumière sur l'origine des surcoûts, de ces surcoûts dont la SNCF nous présente régulièrement la note. Et pour cela, nous avons conduit de nombreuses séances d'audition. Je remercie l'ensemble des participants du commissaire pour l'assiduité à ces auditions. Au cours de ces séances, nous avons entendu, juste pour rappel, pour refixer en fait
L'ensemble des auditions qu'on a menées, bien évidemment la direction de projet EOL de la SNCF, l'Association des usagers de transport en commun de France, le vice-président de la région en charge des transports, les groupements EGIS et CETEC, la direction d'IDFM Île-de-France Mobilité, le directeur de la Société du Grand Paris, la direction de Bouygues Travaux, le préfet de région, le directeur général adjoint des services de la région en charge du pôle transport, l'adjoint au maire de Paris en charge de la construction publique, et enfin, les conseils départementaux des Hauts-de-Seine et des Yvelines. En complément de nos séances d'audition, nous avons également pris part à deux visites, dont je pense que c'était apprécié par l'ensemble des commissaires pour se faire une idée plus précise de l'ampleur du projet, deux visites sur le site de la Porte Maillot, ainsi que sur la Défense sur le site du CNIT. À l'issue de ce travail collectif et sans anticiper sur les conclusions du rapport, je pense que nous serons tous d'accord pour partager deux points majeurs. Le premier, c'est que la complexité technique du chantier qui est apparue au cours de ces échanges, je fais notamment référence à la visite sur le site du CNIT, où les fondations sont révélées très différentes de celles anticipées par les équipes de la SNCF, qui ont généré un retard de calendrier et de surcoût non négligeable. Mais si toutefois d'importants semblent se justifier, nous est apparu un véritable sujet de gouvernance au sein de la SNCF. En effet, les dérapages budgétaires successifs ont amené une très tardive réaction d'alerte à une période où les surcoûts étaient déjà trop importants pour que les collectivités, dont la nôtre, les acceptent d'en réagir. Donc, à l'issue de ces 6 mois d'audition, on arrive aujourd'hui à une séance de pré-rédaction du rapport. Et Monsieur Jean-Marc Germain et moi-même, on vous propose le déroulé suivant pour la séance d'aujourd'hui. Une première partie qui sera une présentation sur les échanges et les échanges sur le plan et la structure du rapport. On vous le redit, ça a été précisé, mais je prends le temps de vous le redire, c'est que chaque groupe politique disposera d'un espace d'expression qui sera annexé au rapport. Donc on vous enverra le rapport préalablement à la séance du 28 juin. Donc on vous l'enverra probablement entre le 22 et le 24 juin, que le 28 juin, le rapport sera voté en dernière séance d'audition. Et puis enfin, la synthèse du rapport sera présentée en séance plénière le 6 juillet. Donc voilà pour un bref aperçu de la chronologie des événements qui vont arriver à l'issue de cette séance. Et puis pour terminer, je laisse la parole à monsieur le rapporteur pour aborder les détails concernant la structure de ce rapport. Merci, Monsieur le Président, et merci à vous tous, chers collègues, de votre participation, et merci à ceux qui nous écoutent en direct ou en différé, ou qui suivent nos travaux pour cette mission qui est importante pour notre collectivité, à la fois pour le sujet traité. C'est un projet de transport absolument fondamental pour notre région, mais aussi pour la liaison de Paris-Normandie, à laquelle nous sommes tous attachés. C'est un des plus gros, même le plus grand projet de transport du moment, en tout cas c'est ce que nous a affirmé SNCF Réseau, donc c'est quelque chose de très important, et puis c'est aussi important pour nous, élus, de faire ce travail de mission d'information avec les moyens qui sont les nôtres, qui ne sont pas ceux d'une mission ni d'une commission d'enquête, mais je crois que dans ce... avec ces limites qui font que nous ne pouvons pas auditionner qui nous voulons et que les gens que nous auditionnons ne sont pas tenus par les mêmes règles qui peuvent avoir lieu notamment dans une commission d'enquête. Je crois qu'on a eu la chance d'avoir des interlocuteurs de très haut niveau, tous ceux en tout cas qu'on avait souhaité auditionner et qu'on a eu beaucoup d'informations, même si... il y a des manques et des insatisfactions, et je les soulignerai notamment de la part de SNCF Réseau qui a refusé, sans que ce soit un refus explicite, mais de nous communiquer des informations qui pourtant auraient été indispensables pour comprendre certains éléments. Sur le processus, donc, nous avons convenu avec le président pour cette fin de rapport de la méthode qui vous a été rappelée. Donc, sur le rapport lui-même, il s'appuie à la fois sur une contribution des services qui m'a été remise, qui fait la synthèse factuelle
des éléments dont nous disposons, de compléments que je pourrais apporter moi-même, puisque l'écriture de rapport se fait sous ma responsabilité, avec un souhait que j'avais exprimé dès le début et en parfait accord avec le président, il me semble que vous l'aviez approuvé, qui est que nous puissions tous nous retrouver, ou en tout cas le plus nombreux possible dans ce rapport tel qu'il est écrit. Je pense que c'est comme ça qu'on sera utile au débat public et à notre assemblée régionale. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite aussi que dans la phase de finalisation du rapport, on puisse vous associer de manière très étroite, ce qui veut dire très concrètement que je vais terminer le rapport dans les jours qui viennent, que nous vous l'enverrons assez tardivement, je m'en excuse, mais quelques jours avant notre séance de relecture du 26, ce sera probablement le 26, c'est un mardi, donc ce sera probablement en fin de la semaine qui précède. Qu'on vous demandera la confidentialité, si vous en êtes d'accord, à ce stade-là, puisqu'il n'est pas simple que... Il y a plusieurs versions du rapport qui circulent, même si la règle a été la totale transparence, puisqu'y compris la séance que nous avons aujourd'hui d'échange sur nos impressions et les conclusions provisoires que nous pouvons en tirer et à la fois enregistrée et retransmise en direct et sera disponible en différé sur le site de la région, comme le sera notre séance du 26 juin. Donc, voilà, rapport provisoire pour que vous puissiez en prendre connaissance quelques jours avant le 28, et puis séance le 28 où, pas forcément obligatoire, mais moi j'ai souhaité qu'on puisse collectivement examiner des amendements si vous en avez, et que nous puissions décider collectivement s'ils font partie du corps du rapport ou bien de l'expression des groupes. Et puis ensuite, donc à l'issue de notre séance du 28, le rapport ainsi amendé sera envoyé aux conseils régionaux, le soir même ou le lendemain, puisqu'il y a des délais pour nos conseils régionaux pour en prendre connaissance. Et en parallèle, aura la phase de rédaction de la contribution des groupes, pour laquelle, si vous en êtes d'accord, vous pourriez la remettre le 5 juillet, la veille du Conseil, pour que le rapport avec ces contributions annexées puisse être envoyé aux conseils régionaux une deuxième fois juste avant notre Conseil, et que comme ça, ils puissent avoir connaissance de la totalité de vos contributions, sachant qu'en séance plénière, il y aura une présentation du rapport un peu selon les modalités organisationnelles qui donnent lieu à la présentation des rapports du CESR, puis une expression des groupes, donc il y aura deux expressions des groupes, une écrite synthétique annexée au rapport, et puis une autre présentée en séance plénière et qui, bien sûr, fera l'objet d'un compte-rendu. Voilà le process tel que... On n'a pas eu l'occasion de rediscuter, mais c'est sûr que si on pouvait avoir les contributions des groupes pour le 28... ce serait mieux, en fonction de vos propres aléas, mais c'est sûr que ce serait mieux si on pouvait voter sur un rapport qui soit un rapport global, complet, avec les contributions des groupes. Après, c'est en fonction des de chacun. Moi, il me semble que la contribution des groupes est d'autant plus... Enfin, l'esprit, c'est que ce soit une contribution qui dit « j'approuve telle et telle partie, j'insiste sur tel et tel point ». Et sur tel ou tel autre, j'ai une divergence d'appréciation, ce qui lui permet d'être synthétique, mais ça suppose qu'il y ait une vision du rapport le 26. Et puis par ailleurs, moi je ne souhaite pas voter sur la contribution de tel ou tel groupe. Et donc voilà, ce processus qui consiste à laisser un peu de temps et à envoyer une version rectificative qui, par ailleurs, est une pratique courante du secrétaire général de l'Assemblée, me semble préférable. Mais on peut en débattre entre nous, chers collègues, et puis revoir si matériellement c'est possible avec le secrétariat général. Voilà, donc en tout cas, l'esprit de ce processus, c'est d'aboutir à un texte le plus informatif possible pour les acteurs et nos concitoyens,
le plus partagé possible. Après, chacun prend ses responsabilités. Il y a un président qui dirige l'organisation de nos travaux, un rapporteur qui a la responsabilité du texte, et puis ensuite des conseils régionaux qui le votent ou pas, sachant qu'en assemblée régionale, il s'agit bien d'une présentation d'un rapport, d'une expression des groupes, mais qui ne donne pas lieu à un vote de notre assemblée. Voilà pour le processus. Je ne sais pas si on fait un petit tour de table à ce stade ou si je rentre dans le contenu. Madame Meller. Oui, ça me donc c'est bien qu'on ait la précision du calendrier, ça me paraît bien. Pour le rapport et pas dans son corps, il me semble important que chaque commissaire puisse partager ses impressions, que ce soit par écrit ou par oral, pour qu'elles puissent être intégrées dans le corps du rapport, au moins toutes celles qui feront évidemment consensus. Là où ça sera peut-être plus difficile, et je pense qu'il faut qu'on ait un temps de débat le 28 juin, c'est sur la partie recommandations. Je pense que ça serait pas mal qu'on en ait en tout cas certaines qui puissent être partagées par l'ensemble des commissaires et qui puissent être intégrées dans le corps du rapport, quitte à ce que les contributions qui ne font pas consensus, les recommandations qui ne font pas consensus, puissent être reprises dans les contributions de chaque groupe qui vont pouvoir apporter un éclairage politique qui peut être un petit peu différent. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant que si on peut, d'ici quelques jours, d'envoyer nos contributions directement à Jean-Marc Germain pour que ça puisse être intégré et puis qu'après, qu'on puisse débattre des recommandations. Pardon. Bien sûr, hein, c'est à la fois, on a prévu aujourd'hui, moi je vais essayer de ne pas être trop long et plutôt factuel, mais le principal objet de cette réunion, c'est que vous puissiez nous faire part de votre analyse et de vos premières recommandations, mais bien sûr, tout ce qui peut être fait en complément dans les jours qui viennent, à condition que ce ne soit pas à la veille du 28, pour des raisons matérielles me concernant, mais même la veille du 28, je serais capable d'intégrer des éléments, la veille, dans les quelques jours qui précéderont, ça me sera à la fois très utile d'avoir vos contributions écrites si vous avez le temps de le faire, et bien sûr, j'intégrerai ce qui me semble pertinent. Monsieur Joubin, allez-y. Oui, dans la même lignée, je pense qu'il faut, à mon avis, bien différencier les contributions d'amendements qu'on pourrait faire à l'issue de la séance de relecture du 26. Donc, je comprends bien les délais entre le 26 et le 28, mais peut-être qu'on pourrait se dire que voilà, le 27, on peut envoyer des amendements. Donc là, c'est la contribution directe de chacun des commissaires au rapport. Et ensuite, effectivement, il y aurait, alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler contribution, parce qu'il y avait une divergence qui s'est exprimée, mais peut-être au moins un avis politique des groupes sur le document final, et qui, à mon avis, font pas partie directement du rapport et ne doivent pas être votés. Je suis d'accord avec M. Germain là-dessus. Je pense qu'il y a ces trois temps. Il y a la contribution orale qu'on peut faire aujourd'hui, la contribution par amendement à l'issue de la séance de relecture du 26, et puis ensuite, il y a un avis sur l'ensemble du rapport qui est annexé, mais qui ne fait pas directement partie du rapport, à mon avis. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse le faire après cet avis des groupes politiques, après le 28, et qu'il ne fasse pas partie du vote. Juste un tout petit doute, excusez-moi de vous interrompre, mais le 26, c'est un dimanche. Donc, on parle du 26 ou du 28? Je n'ai pas donné la date, mais l'idéal, ce serait que ce soit le vendredi. Donc, c'est un peu avant. Ah, pardon, j'avais entendu le 26, pardon, excusez-moi. Non, je suis resté un peu flou parce que je n'aime pas prendre des engagements que je ne sais pas tenir, mais pour vous. Puis, je ne vois pas que ce soit, ni d'ailleurs très. Enfin, je ne vois pas que ça puisse aboutir avant le vendredi. Le lundi, ça fait un peu court, mais je ne veux pas faire des fausses promesses. Donc c'est pour ça que j'étais un tout petit peu flou. Vous receviez déjà, au moins, que vous puissiez consulter avant de discuter des échanges sur le vote. Donc, quand M. Germain disait le 26, c'était juste avant le week-end. Mais on est bien d'accord, donc, en prenant le vocabulaire de Charlotte, qu'il y a vos contributions
jusque, disons, au vendredi ou au jeudi qui précède le 28. Et ensuite, il y aura la lecture, vous recevrez le rapport, il y aura la lecture, et ensuite, vous aurez un délai sur le rapport définitif pour donner un avis des groupes, et c'est bien l'avis des groupes qui sera annexé tel quel, comme c'est d'usage dans ce genre de mission, et non débattu au rapport. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on peut continuer ? Alors, je vais d'abord peut-être commencer, pardon, c'est un peu matériel, mais pour vous donner la structure du rapport. Donc, il y aura un avant-propos du président qui consiste à expliquer ce qu'il vient de faire rapidement, mais à la fois les raisons et l'organisation de la mission. Il y aura ensuite un petit texte du rapporteur qui sera un peu dans le même esprit, plus organisationnel, l'esprit dans lequel nous avons mené notre travail d'enquête. Et puis ensuite, un résumé du rapport et de ses conclusions, un peu façon exécutive summary. Et puis ensuite, il y aura une partie qui sera beaucoup plus factuelle, d'ailleurs, même si elle ne sera pas exempte de jugement dans son expression. Et puis, une conclusion qui reprendra aussi les éléments, d'analyse des surcoûts de la gouvernance et de résumé des principales voies de progrès. Ensuite, sur le corps du texte, on a prévu d'avoir quatre parties. La première qui rappelle l'historique du projet, parce qu'on a vu que ça avait son importance. C'est un projet très ancien qui a connu différentes phases et même différentes conceptions. Et notamment, on l'a vu dans la dernière audition, avec une hésitation entre c'est la liaison est-ouest de la région ou c'est la liaison Paris-Normandie ou c'est les deux à la fois. Et donc, il y a un rappel de l'historique des étapes du projet, ses caractéristiques et qui me paraît être importante, qui sera très synthétique, mais qui sera très utile parce qu'au fond, on ne l'a pas vraiment eu, on l'a reconstitué un peu au fil de l'eau dans nos travaux. Une deuxième partie sur les acteurs du projet et leur rôle, notamment très, très importante, avec les différents blocs, le bloc maîtrise d'ouvrage, le bloc autorité organisatrice et de France Mobilité, le bloc des financeurs, ou les deux blocs, hein, le bloc État, qui comprend la SGP et tous les financeurs qui dépendent directement de l'État, et le bloc local, en précisant et en analysant à la fois leur rôle institutionnel, leur rôle dans le projet, les moyens mis en œuvre pour le projet. Troisième partie qui est, la troisième et la quatrième qui sont au cœur de nos réflexions. D'abord, le coût du projet et son évolution. En remontant d'ailleurs un peu avant l'avant-projet, puisque ça nous a été indiqué par certains de nos interlocuteurs, mais il est intéressant de voir quelles étaient les estimations en 2009, en 2011, en 2014, 2015, 2016, et pourquoi elles ont évolué, et notamment de porter une appréciation sur cette affaire de coût que les acteurs, et notamment les financeurs, ont souhaité contenir, de cette demande d'économie qui avait été demandé par Île-de-France Mobilité à la demande des financeurs à la maîtrise d'ouvrage, et est-ce que c'est des économies réelles ou pas, ou est-ce que ça a conduit finalement à sous-estimer l'enveloppe. Et il y aura une appréciation dans cette partie-là, un peu historique, de la façon dont la première, puisque c'était un enjeu important de nos débats et de notre enquête, de savoir si la première provision de 7% avait été bien calibrée ou pas, comment elle a été calibrée, est-ce qu'elle était sous-estimée. Et ensuite, il y aura des éléments descriptifs sur l'évolution des coûts à partir de 2016, à la fois d'un point de vue temporel, et on a mis dans le chat
un graphique un peu synthétique qui résume à la fois l'évolution des coûts à terminaison année après année, mais aussi des décaissements qui étaient prévus au protocole initial. Donc, c'est les ronds que vous avez sur le graphique qu'on vous a envoyé et les décaissements qui ont été faits qui donnent lieu à des protocoles qui s'appellent REA 1, 2, 3, 4, etc. Et donc, les décaissements effectifs, voilà, pour qu'on puisse se rendre compte un peu visuellement à la fois de la temporalité du projet, puisque les décaissements donnent aussi la montée en puissance des travaux, les évolutions successives qui ont été finalement régulières. Quand on reprend année après année, il y a eu entre 100 et 200 millions d'euros de plus. Et puis la dernière marche qui est doublement élevée entre 2020 et 2021, puisque le coût passe de 4,4 milliards à 4,7 milliards, 300 millions de plus de prévision à terminaison hors ALIA, à laquelle a été rajoutée par changement de méthode une nouvelle reconstitution de provision pour risque de 700 millions d'euros. Voilà, donc un travail de synthèse des informations que nous avons et qui conduira à. Ça, c'est des informations qui seront mises en avant, notamment dans les éléments de synthèse, puisqu'on s'était toujours posé la question, au-delà des éléments techniques qui nous ont été apportés sur tel ou tel point, les piliers de soutènement de la défense, la qualité du béton, et à chaque fois, là, on était surpris par le fait que les montants qui nous étaient donnés étaient certes pas négligeable, mais pas de nature à expliquer de l'ordre de 1,9 milliard de surcoût de travaux, et donc une décomposition, une espèce de hiérarchisation des surcoûts. Pour vous donner les chiffres clés, si on ne prend pas en compte la reconstitution de provisions, donc on a un surcoût de travaux de 35% par rapport au coût initial. Et si on considère qu'elle va être intégralement dépassée, on a un surcoût de 55%. C'est bien de ça dont on parle. Ce n'est pas le dérapage du siècle, comme par exemple le PER de Flamanville, où on passe de 5 milliards à 20 milliards, ni en termes de coûts d'ailleurs, ni en termes de délai, puisqu'il y aura un an de retard sans doute pour la partie jusqu'à Nanterre, et peut-être un an ou un an et demi le reste du tracé, mais dans des surcoûts qui dépassent y compris les éléments les plus importants de ce qui nous avait été dit comme pouvant être une enveloppe d'aléas initiaux de 30%, puisque de toute façon, on est déjà à 35%, alors même que, vous le voyez sur le graphique, on a décaissé 2,7 milliards sur les 5,4 milliards de coûts à terminaison. Donc 35%, 55% selon la consommation, on va être dans cette fourchette-là. Deuxième élément de synthèse, hein, tout ça sera extrêmement détaillé secteur par secteur, marché par marché. Mais si on regarde donc sur le milliard qui est déjà certain, et après il y a les 700 qui sont incertains, et qu'on regarde donc les dépassements qui sont supérieurs à 100 millions d'euros, il y en a quatre. Il y a le marché GC Thun, donc le tunnel plus la gare de Maillot, qui est un marché commun, où il y a 263 millions d'euros de surcoût pour un coût à l'AVP qui était de 1 milliard, donc on est sur 26% pour le marché global tunnel plus porte Maillot. Deuxième élément, je les donne par ordre croissant de dérapage, le marché de la défense, donc il y a 212 millions d'euros de surcoût pour un coût à l'AVP qui était de 534, toujours aux conditions économiques de 2012 constantes. Donc, on est à plus 40% sur la défense. Et puis, le plan de voie de Mantes qui était chiffré à 160 millions d'euros à l'AVP et qui a eu un dépassement de 150 millions d'euros. Donc, on est à plus 94%. Et le troisième poste, c'est qui est chiffré à 102 millions d'euros et qui a donné lieu à une expertise très précise de France Mobilité, c'est le décalage du financement de 1 ou 2 ans que j'évoquais tout à l'heure.
si on prend l'ensemble des surcoûts identifiés, section nouvelle, donc on arrive à plus 22%. Section exploitée, donc entre Mantes et Mantes-la-Jolie, entre Nanterre et Mantes-la-Jolie, pardon, on est à plus 26%. Et donc, ce qui fait qu'on est à plus 35%, c'est tout un tas d'éléments placés dans une catégorie autre. Je viens d'évoquer le poste majeur qui est le décalage de 2 ans du financement, mais il y a dans cette rubrique, par exemple, les surcoûts de Nexteo, et il y a un certain nombre de coûts aussi, par exemple, les coûts corporate qui n'étaient pas prévus initialement pour SNCF, et il y a pas mal de coûts internes à SNCF Réseau, donc qui ne sont pas dans des marchés, et finalement, ça peut paraître comme des petites choses, entre guillemets, à 40, 30, 20, 10 millions d'euros, mais quand on les cumule, et comme elles n'étaient pas du tout prévues dans le projet initial, eh bien, ça fait qu'on arrive à ces 35. Voilà, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais je tenais quand même pour votre réflexion que vous ayez un peu ce travail-là, tout en disant que les chiffres que je vous donne, on n'est pas réussi à les obtenir. C'est quand même un comble. Depuis le début de cette mission, je demande un tableau avec secteur par secteur, marché par marché, les coûts initiaux, les dérapages constatés, les dérapages possibles dans la provision des 700 millions d'euros. Je n'ai jamais eu, au terme de cette mission, ce tableau-là. Donc, je le reconstitue comme je peux à partir des informations qui nous ont été dispensées, mais c'est problématique qu'aucun des acteurs n'était capable de nous donner ce qui paraît être le béaba du suivi financier d'un tel projet. Après, dans chacun de ces éléments, je pense qu'on a eu des explications. En tout cas, moi, je n'ai pas d'éléments à votre écoute pour voir si vous partagez ce point de vue, mais les éléments d'explication sur les surcoûts, à la fois qui nous ont été donnés par les acteurs et qui ont donné lieu à expertise, me paraissent crédibles, même si l'ensemble, évidemment, est la dérive du coût et la gouvernance du projet, je vais y venir, fait qu'à aucun moment, les financeurs n'ont été en capacité de dire si c'est vraiment ça, si on a tel surcoût à tel moment, en 2017, en 2018, quelles sont les mesures correctrices qu'on prend, ou est-ce qu'on assume ou pas de prendre ces surcoûts par rapport à d'autres, sachant que, pour donner des ordres de grandeur, 5,4 milliards d'euros à la fin, si on consomme toute l'enveloppe, ça fait 200 kilomètres de tramway. Ça veut dire que ça fait une vingtaine de lignes de tramway de 10 km le coût total du projet. Et l'augmentation du coût fait une soixantaine de kilomètres de tramway, donc on ne parle quand même pas de grand-chose. L'augmentation du coût, si toute la provision est dépensée, est égale à l'intégralité du coût de la branche Est du RER E. Voilà, donc on parle, même si à la fin 35%, ce n'est pas forcément effrayant compte tenu de la complexité du chantier, 55%, ça commence à faire beaucoup et les montants, évidemment, et dans mon appréciation, je dirais qu'on n'a pas eu la possibilité de maîtriser des éléments qui peuvent venir au détriment d'autres, par exemple, lignes de transport et d'arbitrage qu'auraient pu prendre les responsables politiques de l'État ou des collectivités locales, et ça n'a pas été possible. Et j'en viens à la dernière partie du rapport, et je termine là-dessus avant de vous laisser la parole et de vous entendre. Sur la gouvernance du projet, donc il y aura une analyse du protocole, qui était plutôt, de mon point de vue, sérieux, au sens où il était défini à la fois les coûts financiers de manière assez précise. Il y avait des calendriers de décaissement pour chacune des collectivités locales. Il y avait des estimations en euros 2012 et en euros courants, c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises, mais c'était bien prévu au protocole initial. Et il y avait une procédure qui n'a pas été mise en œuvre, c'est le cœur du sujet, assez précise, la fameuse article 7, pour gérer les dépassements, qui devait se passer à travers trois dispositifs. Un comité de suivi technique
Et je vous ai passé l'ensemble des réunions des comités de suivi et financiers et techniques, qui étaient en fait, en réalité, des comités de suivi financier, même si l'un s'appelait technique, et donc des réunions mensuelles et des réunions financeurs. Il y en a eu, je crois, 52, j'ai pas relu, mais donc ces comités se sont réunis, souvent. Les estimations financières ont été fournies au moins une fois par an par la maîtrise d'ouvrage. En revanche, je n'ai jamais obtenu le détail de ces estimations financières. Et donc, je pense que ça n'existe pas. J'ai interrogé en votre nom le directeur des affaires financières de SNCF Réseau. On vous communiquera sa réponse sur les estimations dont il dispose en interne. Comme vous avez dit lors d'une réunion de chantier, que tous les trois mois, ils avaient une mise à jour du coût à terminaison. Il ne les a pas donné, il n'a pas répondu à ces questions. Donc, je vais le ressaisir explicitement. Lors de ces réunions, quand il était fait état, par exemple, le 20 décembre 2018, d'un coût de 4,56 milliards d'euros, il n'y avait pas de détail. Et les seuls moments où il y a un détail qui, pour le coup, est plutôt bien fait, c'est dans le cadre de l'article 7. Là, on a des expertises sérieuses, très approfondies, très détaillées, mais qui, et ça a été une des difficultés majeures, sont opérationnelles avec un délai de 2 ans, puisque SNCF Réseau met 1 an à les produire et de France Mobilité met 1 an à les expertiser. Et entre-temps, d'autres surcoûts beaucoup plus importants de ceux qui sont analysés sont apparus, et l'activation de ce protocole a eu pour effet de geler quasiment toute discussion et toute analyse financière. Donc, il y avait des comités qui étaient prévus. Leur pilotage était clairement identifié comme étant de la responsabilité d'animation d'Île-de-France Mobilité. Donc, il y avait, contrairement à ce que nous a dit SNCF Réseau, un pilote dans l'avion. Les financeurs avaient confié à Île-de-France Mobilité la responsabilité de piloter ces comités et les expertises qui vont avec, et ça me paraît être un bon choix, même s'il a un défaut, c'est que l'État n'est pas administrateur d'Île-de-France Mobilité, donc le principal financeur, qui a plus de 50% de financement, n'était pas le pilote des réunions techniques, mais globalement, elles ont eu lieu, et leur défaut, c'est qu'elles n'ont pas analysé comme elles auraient dû. Des tableaux financiers se sont plutôt reposés sur ce dispositif article 7 avec des expertises très fouillées s'appuyant sur des cabinets de conseil externes, mais qui du coup arrivaient à des conclusions totalement en décalage avec la possibilité de prendre une quelconque décision en temps utile. Donc la quatrième partie du rapport sera consacrée à l'analyse à la fois de ce qui était prévu, de la façon dont ça a été mis en œuvre, mais vous avez le résumé dans le tableau qui sera complété par les dates des comptes rendus et la présence ou pas de tableau financier que j'ai demandé au service de la région, mais qui permettra, je crois, à chacun d'entre vous et à ceux qui nous écoutent ou vont nous lire, de se faire un avis sur cette gouvernance, sur les défauts et du coup de faire des propositions à l'avenir. Et je pense que les délais doivent être beaucoup plus encadrés. Et puis, le dernier étage, je vous ai parlé de 3 étages, comité réunion mensuelle, comité des financeurs. Le 3e étage, c'était une espèce de super comité des financeurs qui est apparu, en fait, quand les difficultés sont apparues et qui consistait à réunir autour du préfet de région les présidents des exécutifs départementaux et pas la SGP, puisque la SGP n'est plus un financeur, mais les financeurs, et que cette instance s'est avérée être capable de prendre des décisions alors que les autres ne l'étaient pas compte tenu des montants en jeu. Or, cette instance-là, elle est totalement informelle, puisqu'à l'issue de ça, c'est pas le préfet qui prend un arrêté ou des actes juridiques qui s'imposent. Ça revient à la gouvernance un peu polycentrée habituelle, c'est-à-dire qu'un protocole est établi, je pense, par Île-de-France Mobilité, mais je n'ai pas encore eu la confirmation, je vais la demander dans les jours qui viennent. Et ensuite, il est remis aux différentes collectivités locales, dont
qui en discutent, qui le mettent en point et ensuite qui délibèrent sur un protocole pour prendre les surcoûts de manière additionnelle. Donc voilà pour la gouvernance. Ce qui est très surprenant et que le rapport énoncera avec force, c'est que au niveau de SNCF Réseau, il n'y a eu aucune validation d'aucun surcoût. C'est-à-dire que des décisions ont été prises qui vont conduire sans doute à 1,7 milliard d'euros de surcoût, en tout cas 1 milliard certain, et certainement plus que 1 milliard, donc entre 1 milliard et 1 milliard en fait, sans qu'aucune décision juridique, et en tout cas pas celle qui était prévue par le protocole qui demandait une délibération du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, n'ait eu lieu. Et je trouve que c'est un défaut majeur qui doit amener d'ailleurs à ce que SNCF Réseau prenne ses responsabilités sur le financement du surcoût. Et s'il y a des contraintes juridiques qui l'empêchent de le faire, l'État en tant que tutelle de SNCF Réseau prenne ses responsabilités est beaucoup plus importante que dans les clés de répartition prévues par le protocole initial. Donc pour moi, il y a eu autant il y a des pistes d'amélioration et des voies d'amélioration dans la gouvernance du projet de la part de l'État et des collectivités locales et d'Île-de-France Mobilité, autant il y a eu un défaut d'Île-de-France, de SNCF Réseau qui a pris des décisions dont elle ne souhaite pas assumer les conséquences aujourd'hui sans les validations juridiques qui auraient dû être prises et notamment les délibérations du conseil d'administration Île-de-France Mobilité. Et du coup, on arrive à des rapports article 7, donc les deux qui détaillent à peu près le milliard qui nous sont soumis, qui inventent, entre guillemets, des espèces de modifications de programme dont on s'est rendu compte au fil de la mission d'information que ça n'en était pas vraiment. Si je reprends les trois principales, le plan de voie de Mantes, dès le départ, il était prévu qu'il était plus efficace de le faire comme il va être fait dès aujourd'hui. Et quand il a été question de le faire tel qu'il était rationnel de le faire, ça personne ne le conteste. Dans un premier temps, SNCF Réseau a expliqué que ça pouvait se faire à moyen constant, sans l'argumenter, sans demander à ce qu'il y ait une délibération le décidant. Deuxième élément qui est le T3. Il nous a été dit, et vous verrez, c'est confirmé dans les documents, et ça nous a été confirmé dans la réponse du directeur des affaires financières de SNCF Réseau. En réalité, comme nous l'a dit Jacques Baudrier, les trois tracés étaient bien prévus dès l'AVP, et le choix entre les trois tracés a été fait par le CA d'Île-de-France Mobilité au même moment que la délibération actant le protocole cadre et les financements. Donc dès juillet 2016, il était acté que ce tracé se ferait sans qu'il n'y ait d'alerte de surcoût à ce moment-là, qui était fait par SNCF Réseau. Et puis les autres sujets sont des sujets techniques rencontrés sur les chantiers et même quand il y a des délais type, par exemple, délai d'instruction de permis de construire, elles relèvent d'éléments qui auraient dû être anticipés, par exemple l'aménagement de la porte Maillot, ça ne peut pas se faire sans des autorisations d'urbanisme qui elles-mêmes nécessitent des consultations obligatoires, et ce processus-là a été zappé au niveau de l'avant-projet. Voilà un peu de manière factuelle ce qu'on peut dire sur la façon dont les choses se sont passées, les postes de surcoût, l'analyse que je peux faire du fonctionnement du protocole. Et ensuite, il nous reste à, et je voudrais vous entendre et qu'on en débatte, à dire comment on qualifie les choses, au-delà que moi, vous avez vu, j'ai fait de manière très plate. Et ensuite, quelles sont les recommandations qu'on peut en tirer. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Rapporteur. Est-ce que ça amène des réactions parmi les commissaires qui sont présents en ligne? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager avec nous par rapport à ce qu'on prévoit de faire dans la rédaction de ce rapport, dans l'orientation qu'on en donne? Oui, je me permets d'intervenir si ça vous... Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres commissaires qui voulaient peut-être parler, mais
Non, c'est bon. Effectivement, ça, c'est bien d'avoir cette analyse très, très objective et factuelle. On en a besoin parce qu'on a eu beaucoup je dirais, d'impressions qui ont été exprimées au travers des auditions. Et je trouve que cette approche d'avoir une approche finalement très factuelle me paraît importante. Je pense qu'il nous faut, rappeler dans le cadre de ce rapport la répartition du surcoût du 1,7 milliard d'euros, même si c'est imparfait et même si les expertises ne sont pas finies côté IDFM. Je pense qu'il est important que nous, enfin, je crois que nous devons la vérité sur cette répartition des surcoûts, surtout au regard des premières expertises qui ont été faites. Donc, je pense que ça, c'est un rappel utile qui contribuera à la vérité, en tout cas la transparence de ces surcoûts. Par exemple, je sais plus, on a le plan de voilement, on a les modifications. De la porte maillot, la question des retards et des décalages qui est quand même importante, les questions d'accélération du chantier aussi qui sont finalement assez importantes hein, sur cette idée de ne pas dériver trop sur le chantier. Donc ça a amené un certain nombre de choix et on doit aussi la vérité sur Nexteo. Enfin voilà, je pense qu'on a sur la base de tous les documents qui nous ont été transmis, on est capable de faire cette répartition assez factuelle, en tout cas sur ce qu'on sait déjà, de ce dépassement du 1,7 milliard d'euros. Après, je pense qu'aussi notre mission doit aller au-delà des aspects finalement assez factuels, d'aller peut-être un petit peu plus loin dans l'analyse des causes. Ça, c'est mon métier qui parle, ça. D'aller toujours s'interroger pourquoi, poser plusieurs fois pourquoi. Voilà, je vous donne mes impressions de commissaire, hein, mais ça fera partie de ma contribution, évidemment. Dans les causes, il y a une vraie cause, à mon avis, qui est l'impréparation. On en a parlé, c'est les retards, les mauvaises coordinations et les mauvaises surprises. Je pense que c'est une grosse catégorie, cette impréparation. Un chantier de cette ampleur, ça nécessite énormément d'anticipation et là, on en a clairement manqué. Une deuxième cause, selon moi, hein, c'est le manque de contre-expertise. On voit que la SNCF est seule maître du projet. D'ailleurs, c'est même elle qui nous délivre un peu, des fois, au compte-gouttes un certain nombre d'informations. Il faut qu'on développe. Enfin, en tout cas, je vois qu'il manque des cette expertise ferroviaire, cette compétence ferroviaire à IDFM et à la région pour pouvoir justement mieux piloter. Et puis enfin, dans cette histoire de contre-expertise, je note quand même le rôle des bureaux d'études qui est quand même ambigu et qui sont parfois jugés partis, c'est-à-dire qui interviennent à plusieurs phases du chantier et qui sont évidemment complètement en dehors de la comptabilité de ces problèmes-là, alors que je trouve qu'ils ont une part de responsabilité également. Troisième cause que j'ai identifiée, une sous-évaluation initiale, on en a parlé. Une sous-évaluation des risques, une sous-évaluation du projet dans son ensemble. Et ce qu'on a aussi noté, c'est que c'était quand même une pratique habituelle de la SNCF, plus ou moins tacite. Une cause également, enfin je note, c'est une remarque, que le secteur privé est complètement absent des financeurs. Or, ils ont été impliqués dans le projet et aussi très bénéficiaires de ce projet de RER. L'établissement de la Défense, l'EHPAD, le CNIT avec Unibail, le Palais des Congrès et même, on n'y a pas pensé, on ne les a pas forcément auditionnés, mais si on peut aller jusqu'à même à la Fondation Louis Vuitton. Donc ce sont des acteurs privés qui sont là sans être là. Et je pense que c'est important aussi qu'on le note dans les leçons à tirer de ces surcoûts.
Une autre cause, enfin en tout cas une autre remarque de ma part, c'est que, mais ça on l'a ressenti beaucoup dans les visites qu'on a faites sur le terrain, c'est le projet qui est trop gros. Et c'est un projet trop gros qui n'a jamais été revu à la baisse. On est sur une phase qui est, on est face à ce que j'estime une course au gigantisme, avec des gares qui sont vraiment presque surdimensionnées. Sachant qu'on a quand même un Paris La Défense qui est déjà assuré par une ligne de RER et que en fait on a plutôt été à rajouter des projets plutôt qu'à en enlever. On en a parlé, c'est le plan de voie de Mantes et aussi les questions de modification de porte-maillot en fait qui ont été rajoutées, notamment avec un projet sur l'espace public. Et puis enfin il y a vraiment un problème de gouvernance, c'est un peu au cœur au cœur du sujet, on en a beaucoup parlé. Effectivement, j'ai noté beaucoup de dilution des responsabilités avec chacun qui se renvoie la balle, une absence de leadership sur ce projet. Et puis enfin, effectivement, le problème de non-transparence et puis de pilotage des coûts et donc des surcoûts qui empêchent d'avoir vraiment... où on a l'impression que ça dérive, il n'y a plus personne qui est capable de savoir ce qui dérive et de le maîtriser. Donc voilà en gros les impressions, enfin en tout cas les conclusions après toutes ces auditions, mais ça regroupe aussi beaucoup d'éléments qui ont déjà été dits. Après sur les recommandations, voilà, j'ai quelques idées, mais je pense que c'est aussi utile qu'on puisse aborder ça de façon séparée. Merci. Monsieur Orgebin, vous souhaitez prendre la parole ? Oui, pour aller dans le sens de Charlotte Denner, je suis aussi d'accord effectivement sur l'impréparation. Et peut-être plus que sur la préparation, sur la mauvaise prise en compte de l'ampleur de ce chantier au départ. Je crois qu'il y aura une responsabilité financière des uns ou des autres, bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas évacuer la responsabilité politique au départ et comprendre que les choses n'ont pas été mises en place dès le départ pour que ça se passe bien. Et qu'il y a ici un manque d'anticipation, un manque de vue générale et de perspective sur le projet qui fait qu'on arrive aujourd'hui à cette situation et que le bateau a dérivé parce qu'au départ, le bateau était mal calibré, en fait, pour faire face à ce gros temps qu'on a traversé ces dernières années. Donc, je pense qu'il faudra aussi pointer ça. Que dès le départ, les dispositifs d'alerte n'était pas efficient et aurait dû être anticipé et être mis en place par le politique dès le départ, au vu du gigantisme de ce projet et de ce gigantisme au sein d'un territoire qui était extrêmement contraint, d'un espace hyperurbain et peut-être l'un des plus urbanisés de France. Donc je pense que ça doit être aussi pointé dans le rapport. Dire aussi on a l'impression que tout le monde savait pour ces surcoûts, mais que personne n'a voulu le dire. Île-de-France Mobilité disait « Ah bah oui, on savait, de toute façon, il aurait fallu mettre 1%. SNCF Réseau dit « Ah bah on le savait, il aurait fallu mettre 30%. Mais qu'à la fin, finalement, personne n'assume. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, voilà, il faudra aussi déterminer les responsabilités des uns ou des autres et que c'est quand un projet échoue, à la fin aussi, il y a une responsabilité politique qui doit en être tirée, même si on le sait que les responsabilités politiques, lorsqu'il y a des échecs, sont de moins en moins assumées, mais je crois qu'il faut que, dans ce cas-là, on puisse le faire. Voilà ce que j'avais envie de dire à cette étape. Merci. Il y a d'autres réactions qui souhaitent s'exprimer par rapport à moi et puis au contenu de ce qui vous a été présenté. Oui, Madame Messier.
excusez-moi, j'ai toujours un problème, pas très doué. Oui, moi je voulais apporter quand même, puisqu'on est a priori d'accord sur la sémantique, entre contribution qui est celle de ce jour et l'avis des groupes qui sera remise dans le rapport, si j'ai bien compris. Moi je pense quand même que cette mission d'information au nom du groupe Île-de-France Rassemblée aura permis de révéler un véritable problème de gouvernance avant tout. Les conséquences de cette absence de gouvernance se sont traduites par une mauvaise appréciation des enjeux techniques liés au projet, une incapacité à tenir de façon stricte un calendrier programmatique et une dérive budgétaire extrêmement préoccupante. L'état de la situation exceptionnelle liée à la pandémie et de la mise en œuvre d'un chantier particulièrement complexe, on ne peut se satisfaire de cette accumulation de dysfonctionnements. Notre groupe confirme bien sûr son soutien total au projet EOL dans un calendrier plus proche possible du calendrier initial, même si l'on comprend bien qu'il sera certainement décalé vers 2023-2025. Au-delà du sujet technique, dont l'expertise revient aux équipes d'Île-de-France Mobilité, notre initiative de cette mission d'information aura permis de faire émerger de véritables sujets politiques sur la gouvernance de la SNCF dans la conduite des grands projets. L'alerte sur l'ampleur des dérapages budgétaires aurait dû être sonnée avant que les sommes en jeu atteignent une telle importance. L'entreprise semble bel et bien avoir été dépassée par l'effet boule de neige, des surcoûts, et qui, bien que les validants sur le fond, n'exonèrent pas la SNCF de sa responsabilité. De plus, notre groupe continue de s'indigner sur la méthode, qui peut parfois s'apparenter à un chantage, avec dans la balance plusieurs centaines de milliers d'usagers franciliens pour demander de nouvelles rallonges financières et peser dans les négociations. Concrètement, nous rappelons que la région a toujours cherché à prévenir l'interruption du chantier au travers des deux protocoles relais que nous avons soutenus sans réserve, dont l'un encore très récemment. Toutefois, nous souhaitons, au travers des conclusions de cette mission d'information, attirer l'attention de l'État sur sa responsabilité dans le soutien financier à la SNCF, dont il est, je le rappelle, l'unique actionnaire. La fameuse règle d'or, qui nous a souvent été opposée, s'applique peut-être à la SNCF, mais elle ne s'applique pas, loin s'en faut, à l'État. Avec l'ensemble des collègues de mon groupe qui partagent cette préoccupation, nous serons extrêmement vigilants sur l'attitude de l'État qui devra prendre toute sa part au financement de la poursuite d'EOL. Notre vigilance sera d'autant plus forte que l'on nous annonce déjà que les collectivités territoriales, et notre région en particulier, seront ponctionnées de 10 milliards d'euros, et ce, dès le prochain budget. L'État ne pourra pas d'un côté nous demander de renforcer notre investissement sur les projets majeurs d'infrastructures, de transport et de l'autre, profiter de notre bonne gestion financière pour se renflouer à nos frais. Pour nous, la véritable règle d'or est que celui qui paye commande. Cela signifie qu'il est impératif de remettre la région au centre de la gouvernance et de la responsabilité dans la mise en œuvre de l'offre de transport. Le projet EOL est un projet majeur qui va transformer notre région et notre département des Yvelines en particulier. Il est trop important pour faire l'objet d'un chantage. Je pense que nous sommes tous prêts ici à valider l'engagement des fonds régionaux conséquents pour le voir mener à terme, mais nous attendons que l'État en fasse de même. Je vous remercie. Merci, Mme Messier. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je n'ai pas vu si M. Guillaume Bataille était présent dans le chat. J'essayais d'être le plus représentatif possible des sensibilités politiques. Madame Akin, merci à ces trois interventions. Monsieur Germain, est-ce que vous souhaitez réagir? Peut-être les autres groupes? Non, oui. Est-ce que l'UDI est présent ou représenté? Non. Non plus. GCEC? Non plus. Aurélie Taquilin? Moi, je viens de présenter. C'est pour ça que je vous posais la question. Non, non, on va être l'ensemble des groupes présents. On réagit. Oui. Le président, tu veux dire? Non, pas particulièrement. Je pense que ce n'est pas dans notre rôle de commenter. Bon, simplement, moi, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit. Notamment, sur la question de l'impréparation, je suis d'accord dans avec la précision qu'a apportée Vianney notamment, c'est-à-dire que on ne peut pas dire que
le chantier était mal préparé. Ça fait très longtemps qu'il est étudié. Moi, je me suis plongé dans toutes les études d'avant-projet et leurs plus grands détails. Je crois que les choses ont été faites sérieusement. Il y a un problème politique que souligne Charlotte au sens noble du terme, qui est que c'est un projet, au fond, qui a été construit avec les yeux des années 90. Quand on visite les chantiers avec le regard de 2020 et les préoccupations nouvelles, on a l'impression effectivement que ça date d'une autre époque. Donc tout ce qui est fait est plutôt très bien fait. Moi, j'ai visité beaucoup de chantiers. Ceux qu'on a pu visiter sont des chantiers qui sont de qualité, bien organisés. Ce qui fait semble bien fait. Donc on est face à une maîtrise d'ouvrage technique qui sait faire les choses, qui tient les délais d'ailleurs étonnamment bien, parce que je crois que pour ce type de chantier, je ne sais pas si il y a un précédent où on va livrer à un emprunt un tunnel de 8 km de long, trois gares nouvelles, mais qui en revanche est une totale incapacité de pilotage financier. Je pense qu'en fait, on ne suit pas les coups à SNCF Réseau, et moi, ça peut faire partie des recommandations, mais je souhaite qu'il y ait soit une enquête de la commission des comptes, soit une mission d'information parlementaire, voire une commission d'enquête qui regarde sur la façon dont SNCF fonctionne en interne, parce qu'il me semble qu'il y a un défaut de pilotage financier absolu, au sens où on paye des factures. Et comme ça a été dit par Madame Messier, quand on décide de tout et qu'on ne paye pas les factures, ça pose un gros problème, quoi. On a l'impression qu'on a un pilote d'avion qui amène plus ou moins l'avion un peu cabossé, mais à terme. Mais en revanche, il ne s'est pas du tout occupé de la consommation de carburant, ni de savoir qui allait payer le coût du trajet. En revanche, je partage totalement, au-delà de ça, donc, surtout un chantier qui est bien étudié. La question des provisions, il y a une analyse très précise des 7% qui est faite. Il y a, je suis un peu plus réservé parce qu'on a eu des éléments très contradictoires à la fois de ceux qui avaient validé les chiffres et de ceux qui les commentaient. On était sans doute à un moment donné où le chantier était relativement élaboré. Enfin, à l'AVP, on a des détails très précis de la façon dont le chantier du CNIT de porte-maillot va se conduire, et chacun des surcoûts est très clairement identifié. Mais je vous lis ma pensée un peu, je ne sais pas si je l'écrirai comme ça, j'ai encore quelques jours de réflexion, mais que probablement pour ce type de chantier, il faut une enveloppe de 20%, qui est des chantiers à tunnel ou des gares souterraines, et de l'ordre de 10% pour tout ce qui est en surface, et que donc on n'est sans doute pas dans les 33% qui sont revendiqués aujourd'hui. Et de toute façon, même si ça avait été 30% de 3 milliards, ça aurait fait 600 millions d'enveloppes, et il y en a eu 230, donc le surcoût, ce n'est pas 400 millions, c'est 1,7 milliard. Donc, ça n'aurait pas été suffisant. Donc, cette enveloppe a été calibrée au plus juste, sans doute un peu en dessous de ce qu'il aurait fallu. Après, est-ce que c'est une mauvaise politique, si on a une gouvernance parfaite, que de mettre le strict minimum quand on est financeur d'enveloppe, sachant plus que la pratique, c'est de se servir de l'enveloppe de provision comme d'une caisse, d'une facilité de caisse? Peut-être que ce n'est pas une mauvaise politique de ne pas, quand on est financeur, ne mettre non plus une trop grosse. Parce que si on avait mis 30% dès le début, on serait peut-être avec 70% aujourd'hui de consommation. Mais en tout cas, c'est clair qu'on pouvait s'attendre dès le début à ce que ça ne coûte pas juste 3,7 milliards sous tout pesé. En revanche, j'ai une petite nuance sur ce point-là de la sous-estimation manifeste. Sur, en tout cas, ce qui concerne des, comme je l'ai dit tout à l'heure dans les chiffres, et je réponds d'ailleurs à la demande de Charlotte, il y aura une analyse très précise et très détaillée des surcoûts, et une mise en regard, ce qui n'existe pas, des surcoûts avec les coûts initiaux. Mais grosso modo, sur le milliard qui est aujourd'hui avéré, il y a 750 millions qui sont sur les quatre postes que je vous ai indiqués.
Le tunnel et le CNIT, la porte maillot, qui finalement est le chantier qui en pourcentage a le moins augmenté, 26% de hausse par rapport au coût initial. La défense, 40%, et on a pu se rendre compte sur place, des raisons en tout cas avec lesquelles ça a pu se faire. Et effectivement, la remarque sur les difficultés d'accès au chantier est importante, parce que ça doit exister, ça, on l'a vu sur place, ça a contribué de beaucoup au surcoût, mais 40%, et c'est quasiment un doublement pour ce qui concerne le temps de voie de Mantes. Ça, c'est les trois postes liés à des chantiers. Et ensuite, il y a beaucoup de choses. Et c'est là, en fait, où peut-être qu'une meilleure gouvernance aurait pu permettre de limiter les coûts. C'est l'affaire des retards de chantier, un an et demi à deux ans, chiffré à 100 millions d'euros. Et puis, c'est tout un tas de surcoûts dont on ne sait pas trop si ça relève des holds, de surcoûts liés à l'SNCF ou autre. Et en fait, tout ça, ça finit par peser aussi 200 millions restants avec plein de micro-lignes, mais qui font que le chantier, le surcoût dérape vraiment par rapport au plus 20% qui pouvait sembler raisonnable. Mais donc ça, c'est le premier point sur un peu le début, la façon de s'en embarquer les choses sur le plan financier et sur le plan technique. Et après, vous l'avez tous dit, ce qui a été vraiment sous-dimensionné, c'est effectivement l'accompagnement par les donneurs d'ordre, si je puis dire, du chantier que Vianney a qualifié d'impréparation. Il aurait fallu mettre plus de moyens dans le cœur du réacteur qui est Île-de-France Mobilité et des moyens propres. On voit bien que se reposer sur des consultants, ce n'est pas possible dans la gestion courante parce que ça induit des délais trop longs. Il faut passer des marchés, il faut que les consultants s'imprègnent du sujet. Et ça pose des problèmes de conflit d'intérêts. Le mot est peut-être excessif parce qu'il a une connotation juridique, mais en tout cas, de difficulté d'être jugé parti, puisque tous les consultants de la place sont aussi consultants pour la maîtrise d'œuvre et pour les entreprises. Et même s'ils se déportent dans les règles de déontologie de leur métier, en réalité, on voit bien que si l'un d'eux disait « Bouygues a fait n'importe quoi », ça lui poserait des difficultés ensuite pour obtenir des marchés. Et donc, ça veut dire qu'il faut, alors là, on ne sera peut-être pas tous d'accord, mais des moyens d'expertise propres à Île-de-France Mobilité. Moi, je considère que les conséquences de la décentralisation, même si elles datent de 1995, de l'organisation des transports en commun n'ont pas été tirées en matière de moyens humains, qu'il y a des moyens de la SNCF qui auraient dû, non pas réduits, mais transférés à l'autorité organisatrice et dans les collectivités locales, en commençant par la région, mais aussi dans les départements qui nous ont dit être totalement démunis et du coup se reposer exclusivement sur Île-de-France Mobilité. Et que c'est pour ça qu'à chaque audition, j'ai posé la question de savoir vous êtes combien, qui est-ce qui pilote, combien vous êtes collaborateurs, et que quand on prend ce chantier-là, qui est un des plus gros chantiers de France, le plus gros du moment, c'est presque la moitié de la ligne de TGV entre Bordeaux et Toulouse, hein, pour donner aussi un autre ordre de grandeur. Ça nécessite beaucoup plus de moyens humains, de pilotage et de capacité d'expertise technique. Donc, je pense qu'il me semble qu'on a l'air d'être d'accord sur le fait qu'à la fois en constat et en recommandation, ça devra être un élément central que de tirer vraiment les conséquences de la décentralisation et de donner des moyens aux collectivités pour le faire. Et puis par ailleurs, je parle du bloc local, mais je pourrais dire la même chose sur l'État. L'État est totalement démuni parce qu'il n'a plus de services compétents pour assurer le suivi de chantiers de cette nature-là. Et c'est quasiment le préfet lui-même qui pilote des réunions de financeurs. Et qui se repose sur l'expertise d'Île-de-France Mobilité, alors même qu'il n'en est pas membre du conseil d'administration. Et après, il faudra aussi qu'on débatte dans notre réunion du 28, dans les recommandations, c'est-à-dire que faut-il faire ? Est-ce qu'il faut qu'à l'avenir, puisqu'on est tous d'accord qu'il faut dire que
si on finance, on décide. À quel endroit doit se passer cette décision? Est-ce que c'est sous l'égide du préfet? Est-ce que c'est, comme on l'avait décidé le protocole, sous l'égide d'Île-de-France Mobilité, mais ça pose la question de l'absence de l'État? Ou est-ce que c'est, comme le suggère SNCF Réseau dans une réponse qui nous a été faite en référence à ce qui se passe pour leur chantier LGV, une personnalité qui est nommée spécifiquement et qui assure cette coordination? Moi, je ne suis pas trop pour un monde de techniciens qui se met à organiser la décision des politiques, donc ça n'a pas ma faveur, mais je vois bien qu'il y a un problème de savoir qui est le chef de file, et comment il prend ses décisions juridiques, qui va nécessiter à la fois, bien sûr, d'être souligné, mais aussi que dans nos recommandations, nous tracions des pistes. Après, je partage tout ce qui a été dit sur la dilution des responsabilités, qui est une conséquence de ça. Sur l'absence de transparence, j'ai beaucoup insisté, mais il faudra le dire aussi. Et voilà, j'ai sans doute oublié beaucoup de choses que vous avez dites, mais qui ne m'ont pas choqué, donc que vous devriez retrouver dans le rapport. Globalement, tout petit dernier mot sur la conclusion, c'est que toutes les interventions auxquelles on a pu assister là tout à l'heure, donc, il y a quand même une unanimité ou un consensus sur l'ensemble des auditions et de ce qu'on en a retiré ensemble sur nos sentiments généraux. Peut-être que sur la SNCF, il y a une vraie compétence technique. Cette compétence technique, elle est indiscutable. Et que par contre, au niveau du suivi financier, ça a été complètement. Comme le disait Jean-Marc, il n'y avait pas de pilote, il n'y avait pas de suivi. Donc, autant au niveau technique, les choses ont été bordées. Au niveau financier, tout est parti un peu comme l'a dit précisé M. Orgebin, comme un peu un bateau ivre. Et qu'à partir du moment où les choses sont parties sur des enveloppes financières qui les ont complètement dépassées, on s'est retrouvé au pied du mur. Et là, nous avons envoyé l'addition et qu'à ce moment-là, ils nous ont pris une tête de pont, quelque chose qui puisse être un élément global de prise de décision, de quelqu'un qui ait au moins cette autorité-là, et que c'est effectivement à ce niveau-là où ça a probablement fait défaut. Donc c'est un sentiment que les choses nous ont complètement dépassées. Et où aujourd'hui on se retrouve avec une addition qui est hors de mesure. Donc je voulais juste préciser qu'on se retrouve sur l'ensemble de vos contributions. Je voulais vous remercier aussi d'avoir participé, d'avoir toujours été assidu, parce que je sais que parfois ça avait été long, ça a pris dans vos agendas, je sais aussi que certains sont en activité, donc il y a eu des sacrifices par rapport à vos activités professionnelles. Et je parle aussi au nom du rapporteur et des équipes, donc je ne veux pas venir en avant de la décision du vote par rapport à ce qu'on verra le mardi 28. Et en tout cas, vous remercier pour vos contributions et puis votre assiduité. Monsieur le Président, si je peux reprendre la parole, est-ce qu'on peut se donner une question ouverte auprès des collègues comme date limite pour vos contributions le mardi 21 juin? Est-ce que ça vous semble raisonnable, une semaine? Au moins pour le principal. Hein. Après, on a jusqu'au 28 pour continuer à travailler. Mais si moi, je veux les intégrer de manière intelligente au rapport et structuré, j'ai besoin d'un peu de temps, quoi. Au moins en brouillon, après ça sera pas fini, mais oui, ça devrait être. Et puis, monsieur le président, il fallait qu'on se mette d'accord sur la taille des avis des groupes. Oui, calibrer en fait, on s'était fixé une page et demie ou deux pages maximum, si vous pouvez être synthétique, pour que ce soit à peu près homogène en fonction de chacun des groupes, qu'il n'y ait pas de disproportion. Si ça vous convient pour pouvoir réagir. Ça nous semblait être un calibrage acceptable. Donc, on peut partir sur ça, sur une page et demie, deux maximum. Deux pages, c'est bien. La date du 21, d'une page et demie pour être sûr d'avoir deux. La date du 21, pouvoir envoyer les contributions.
Et puis nous, au maximum, ça, on essaiera de vous envoyer le rapport le vendredi qui précède la date du 28. On essaiera, parce que là, voilà. Je prends des engagements qui ne sont pas les miens. Et puis, Monsieur le Président, nous avons donc une demande à vous faire. Ce que ça me semble indispensable dans le processus, c'est de revoir avec le secrétaire général pour que les avis des groupes puissent être envoyés postérieurement au 28, puisque de toute façon, ils ont juste à être annexés et ils peuvent être envoyés sous un rectificatif sans que ça ne porte pas atteinte à la bonne information des conseils régionaux qui auront leur rapport dès le 28 ou le 29 au matin. Et ça permet au groupe vraiment d'être dans l'optique de se dire par rapport au rapport, on appuie sur tel et tel point et on a des différences d'analyse sur tel ou tel point. Alors, je prends un exemple sur votre prudence, celle que vous avez utilisée en début de séance. Donc, je ne peux pas m'engager sur quelque chose qui n'est pas de ma responsabilité. Mais relayer notre demande, vous pouvez le faire. Je le ferai. Merci. Merci beaucoup. Donc, au 21 pour une contribution, et puis au 28 pour la changer sur la dernière version du rapport. Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. En gros, simplement, voilà. J'intervenais pour vous.